Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le cas Booba. Et on profitera aussi de cette vidéo pour parler de deux albums très attendus dans le showbiz ivoirien. L'album des artistes Roselyne Layo et du groupe Zouglou, La Voix des Gens, en abrégé VDA. Voilà. Concernant Booba, beaucoup m'ont dit non, faut pas parler, il est immature, il peut te clasher ou bien il peut te rendre célèbre. Bref. Moi, je fais des vidéos. Tout le monde sait qu'ici, Eriton fait des vidéos intelligentes. Voilà. Je ne parle pas pour insulter. Je ne parle pas pour forcément dénigrer. Je parle pour que nos artistes et c'est une situation change, c'est tout. Sinon, mon objectif n'est pas venir de descendre Booba ou de venir faire sa mauvaise propagande. Voilà. On m'a dit ce qui s'est passé. Et puis après, on vous attend en commentaire. Voilà. On se prend juste après le générique. Hello, bon retour chers abonnés. On va d'abord parler des deux albums les plus attendus, l'album de Roselyne Layo et l'album du groupe Zouglou VDA. Voilà. Penchons-nous d'abord sur le cas VDA. Pour ma part, ça fait quand même quelques mois que j'ai l'impression qu'ils sont en baisse de popularité, en baisse de croissance. Peut-être que je me trompe. Sinon, il fut un moment, ils avaient adopté une très belle stratégie de communication autour de leur truc carrière, autour de leur personne, autour de leur groupe Zouglou en fait. La stratégie c'était laquelle? C'est-à-dire, ils surfaient sur l'actualité people, c'est-à-dire sur les buzz en Côte d'Ivoire et même au-delà. Mais apparemment, depuis un moment, est-ce l'album qui a demandé cette pause-là pour se concentrer uniquement dessus? Ou est-ce une simple stratégie pour se faire oublier et faire un gros bim avec leur album de 20 titres? Parce que, vous vous rappelez, il fait une période précisément en 2022, 2021-2022, où franchement, le groupe VDA ne laissait vraiment aucune chance à la concurrence Zouglou-tique. Ça, il faut le dire. Et à part les Doya, trucs, on va dire, Yodé et Siro, je pense bien que c'est le groupe Zouglou le plus en vue actuellement. Mais je dis actuellement où on parle là. Dans ces derniers temps-là, je sens plus trop le groupe. C'est vrai qu'ils annoncent leur album de 20 titres qui est déjà disponible, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont déjà commencé à faire sortir certains clips et tout, qui se comportent pas mal. Et peut-être aussi qu'ils sont concentrés sur le concert au casino, ce 14 mai-là. Mais en tout cas, il faut qu'ils adoptent leur ancienne stratégie. Bien qu'elle était critiquée par un bon nombre de personnes, comme quoi ils sont pas inspirés, ils ne font que chanter le buzz et tout. Mais là, par cet album de 20 titres-là, ils ont montré qu'ils étaient bien inspirés et que les fans ne devaient pas s'inquiéter. Parce que pour un groupe Zouglou, 20 titres, c'est quand même honorable, c'est quand même vraiment à féliciter. Donc je pense que cet album-là doit être vraiment soutenu par tous les mélomanes ivoiriens. Parce que VDA, c'est quand même un groupe Zouglou qui fait vraiment, vraiment la fierté de trucs de la Côte d'Ivoire et tout. Et je pense bien pour ma part que cet album-là, il va quand même cartonner. Mais s'il veut rester dans cette communication-là, les choses n'iront pas bien pour cet album, chose que je ne souhaite pas. Parce qu'on connaît très bien VDA. Et il fut un moment, sur le Meta, précisément sur Facebook, les publications du groupe avaient vraiment beaucoup, beaucoup de likes, dépassaient la barre des 30 000 likes, des 20 000 likes, des 15 000 likes. Mais depuis un moment, c'est un peu monotone, c'est un peu bizarre. Donc, l'album est disponible, il faut aller sur toutes les plateformes de téléchargement pour aller streamer. Et puis, il faut aller donner beaucoup, beaucoup de vues aux clips qui sont déjà sortis. Voilà. Et puis, rendez-vous à toute la diaspora, occasion de Paris, ce 14 mai, avec le groupe VDA. Parlons maintenant du cas Roselyne Layo. Roselyne Layo, notre belle Roselyne Layo, par contre, est une artiste qui marche et qui continue de marcher. Je pense que sa progression est restée constante, parce que mine de rien, les singles qu'elle a sortis annonçant son album de 17 titres, franchement, ont tous cartonné. Ont tous cartonné. Et fort est de reconnaître que c'est l'une des artistes ivoiriennes les plus écoutées actuellement, pour ne pas dire actuellement, l'artiste féminine ivoirienne la plus écoutée. Elle est venue même faire de l'ombre à sa grande sœur Josée, et ça, on ne va pas discuter cela. Je ferai une vidéo spéciale sur ces deux artistes féminines-là, pour vous expliquer une situation, pour vous expliquer quelque chose, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte de mon affirmation de tout à l'heure. Donc, l'album de Roselyne Layo est dénommé l'album élu de Dieu de luxe. Voilà, dans cet album, elle aborde plusieurs thèmes, comme
le thème le plus, on va dire, abordé dans l'industrie de l'art, c'est l'amour. Elle aborde aussi des chansons proches de la chrétienté, des chansons où, de reconnaissance à Dieu, des chansons où elle fait beaucoup de louanges et même souvent d'adoration à ce Dieu-là. Donc, il faut reconnaître que cet album-là va vraiment cartonner. Voilà, il sort dans ce mois-là, dans ce mois de mai-là. Et nous sommes impatients de l'écouter, nous sommes impatients de streamer, nous sommes impatients de partager les liens de ces différents clips qu'elle va nous dérouler sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc chère Fanny Roseline Nayo, apprêtez-vous, parce que vous connaissez Roseline Nayo, franchement, elle a cartonné à Boaké et à Abidjan lors du film il y a 15. Et je pense que cet album de 17 titres-là sera la cerise sur le gâteau pour ce début d'année. Non, on va dire pour ce deuxième trimestre de l'année 2023. Donc Roseline Layo nous sort un album bientôt de très belle facture. Ça, sûrement, soyez rassurés. On connaît très bien le talent de Roseline Layo. On connaît très bien son thème vocal. On connaît très bien sa fougue sur scène. Donc soyez sûrs qu'elle va nous servir du lourd. Vraiment du lourd. Parce qu'un album qui s'appelle Album élu de Dieu. De luxe. De luxe. Il faut s'attendre à quelque chose de costaud, à quelque chose de balèze. Voilà. Parlons maintenant de Bedozo, alias Booba. Personnellement, sur le cas Booba, je vais critiquer sa performance au FEMUYA. Mais bien avant de critiquer sa performance au FEMUYA, je veux revenir sur un fait qui a fait beaucoup jaser la toile. Comme quoi, Booba est un artiste qui ne respecte rien. Il est monté sur scène avec de l'alcool. Après une bouteille de Jack, il a commencé à boire une bouteille de champagne et tout. Ça a choqué beaucoup de personnes. Mais vous devez savoir que le grand frère Salfo connaît très bien, est mieux placé pour savoir comment les prestations de l'artiste Booba se font lorsqu'il est en showcase ou lorsqu'il est en concert. Voilà. Peut-être que ce n'est pas encore dans nos mœurs, mais c'est rien de choquant. Il faut arrêter souvent. Voilà. Il faut critiquer la performance parce qu'on a bien vu sa performance, elle était un peu laissée aller. Mais concernant sa prestation scénique où il monte avec de l'alcool sur le podium, ça ne dérange en rien. C'est vrai que c'était plus de 40 à 50 000 festivaliers qui étaient là, mais c'est pas Booba qui va venir pervertir cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse, elle est déjà pervertie d'avance, je m'explique. Cette jeunesse-là a accès à Internet. Et cette jeunesse-là regarde souvent les mêmes concerts de ce Booba-là sur Internet. Son dernier concert au Stade de France, son dernier concert à l'Arena. Donc, on sait que c'est sa marque de fabrique. Tous les concerts de Booba sont accompagnés d'alcool. C'est son inspiration, c'est sa manière d'être productif, c'est sa manière d'être, on va dire, performant. Voilà, c'est son énergie et c'est sa source d'énergie. Voilà, c'est sa source d'inspiration. On va pas lui en vouloir pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas, notre DJ Rafa avait compris ce game-là et apparemment beaucoup de personnes aimaient et ça ne choquait personne parce que c'était notre chouchou adoré, c'était le chouchou de la Côte d'Ivoire. DJ Rafa a fait plusieurs showcases, a fait plusieurs concerts où il avait sa bouteille de Jack dans sa main. Bien au contraire, on trouvait que c'était un bad boy et c'était vraiment révolutionnaire. Ça, il faut le dire. On a beaucoup apprécié. Voilà. Vous savez, le rap, c'est de l'ego trip. Le rap, c'est ça. Le rap, c'est ça. L'industrie du rap, c'est ça. Tous les artistes ne le font pas, mais c'est la marque de fabrique de Booba. Donc, on va faire pause sur ce cas-là. Je tenais vraiment à poursuivre ce sujet-là et parler maintenant de la performance de Booba. Comme je disais, franchement, moi, j'ai été déçu de la performance de Booba. Elle n'est même pas liée à ces bouteilles d'alcool qu'il scandait sur le podium du FEMUYA 15, mais elle est liée à sa prestation scénique même, c'est-à-dire à sa performance. Le mec, il chante et il se permet de dire que non, il a oublié un de ses morceaux, ce morceau-là, il ne le reconnaît pas et tout. Oh, c'était bien ce morceau. On dira que c'est sous l'effet de l'alcool, mais détrompez-vous. Voilà, détrompez-vous. Booba, je ne dis pas qu'il ne se saoule pas, mais il est habitué à l'alcool. Vous comprenez un peu, il a l'habitude de prendre l'alcool pour faire ses concerts et il les fait très bien. Mais je pense pour ma part que c'était un manque de respect pour le public du FEMUYA 15 parce que, en fait, d'abord, sa chanson était en playback. La plupart des artistes ont presté en live. J'ai pas compris pourquoi lui, spécialement Booba, a presté un truc en playback. Donc, ça, c'est déjà le premier grand manque de respect. Bon, peut-être on dira qu'il ne s'est pas fait du live. Ça, je ne sais pas, je ne la filme pas, mais c'est ce que j'ai constaté. Et autre chose, il y avait un peu trop de légèreté. Il y avait un peu trop de légèreté. Il y avait vraiment un peu trop de légèreté. Voilà. Tu es venu pour un concert dans un festival en Côte d'Ivoire où beaucoup de personnes t'apprécient. Tu te permets d'envoyer des pics à l'un de tes plus grands ennemis qui n'est autre que Caris. Voilà. Les fans de Caris, si tu te rappelles, t'ont hué pendant que tu étais sur le podium.
Voilà, peut-être que tu n'entendais pas les retours, mais je te dis, beaucoup de personnes t'ont hué pendant ta prestation scénique parce qu'ils l'ont trouvé merdique. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. La preuve en est que quoi? Comme Caris te connaît tellement bien, il savait que c'était en fait de la provoque. Et plus tard, tu as posté sur ton compte Instagram, je crois, que tu étais trop bourré. C'est pourquoi tu as dit tout ça, que tu ne le pensais pas vraiment. Vous voyez? Tu viens dans un pays dont ton plus grand rival musical est d'origine. Mais d'abord, la prestation scénique, elle est merdique. Et tu te permets encore de titiller ce dernier-là. En plus de Caris, il y a même, comment il s'appelle, Gims, qui a payé les frais on va dire, de ta mauvaise conduite. Parce que malheureusement, je ne sais pas ce qui est plaisant dans cette façon de faire là. Mais moi, j'étais un peu découragé de cela. Et je ne comprends pas pourquoi tes fans applaudissaient cela en fait. Voilà. Donc, fort est de dire que la prestation scénique de Booba était merdique au FEMUHA. Voilà, il a fait ça, la va vite. Tout compte, il avait déjà reçu son cachet. Il sait que son nom vend, il sait que son nom paye. Donc, il a juste surfé dessus et venu produire ce spectacle à demi-mesure là. Et ça, c'est pas respecter un pays comme la Côte d'Ivoire. Je tenais à le dire. Ciao, ciao.